Africa de Liberté, connectez-vous rapidement, connectez-vous. Mesdames et messieurs, depuis vos différents bords, depuis vos différentes positions, je vous salue. Faites comme moi, commencez à partager massivement cette vidéo-ci. On va laisser le temps à nos frères et sœurs. Connectez-vous rapidement. Alors, chers amis, Afrique de Liberté, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricains, chers peuples d'Afrique, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Mesdames et messieurs, ce soir, très très rapidement, j'aimerais ici et maintenant vous demander encore une fois de plus de partager. Voilà, il faut partager massivement cette vidéo-ci. Il faut la partager, il faut la liker avec des pouces bleus pour la protéger contre toutes ces personnes qui pensent que nous sommes dans un faux combat, nous sommes dans le mauvais combat, nous sommes dans un combat qui n'a pas de sens, qui est inutile. Ces personnes pensent que nous sommes ennemis. Donc, ils viendront toujours nous harceler sur nos différentes vidéos. Alors, il faudrait que vous, les panafricains, les panafricaines déterminés dans ce combat engagé, protégez nos directs parce que nous sommes dans le vrai combat et nous sommes dans un combat qui est très noble et ce combat, elle est digne d'être menée par tous les Africains, même si beaucoup de nos frères et sœurs sont encore perdus. Voilà, ils sont encore, en tout cas, ignorants. Mais ça viendra parce qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup parmi eux commencent à comprendre. Et en tout cas, ce sont donc eux qui sont en train de, aujourd'hui, élever la voix pour ramener les frères et sœurs perdus. Voilà, tout comme eux, perdus aujourd'hui. La lumière, en tout cas, c'était de nos frères et sœurs aujourd'hui, là, sont en train de revenir à la raison, c'est très important. Mais ils vont revenir, ne vous inquiétez pas. Ce sont eux qui sont plutôt dans le mauvais côté du combat. Voilà, ils sont dans un combat sale. Il faut qu'ils se réveillent. Et grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à tout ce que vous faites pour toutes les personnes qui ont décidé de prendre le temps pour communiquer sur le combat, la révolution qui est en marche en Afrique. Grâce à vous, en tout cas, le combat aujourd'hui là est en train de payer. Toujours, je le dis, nous sommes en train de voir le jour. Et bientôt, en tout cas, tout va prendre fin. Parce que rien n'est éternel. Tout finit par finir. Un jour, tôt ou tard, tout finit par finir. C'est pourquoi j'aimerais dire ici et maintenant à tous nos frères et sœurs qui sont connectés. Actuellement, il est l'heure. C'est l'heure de la bataille. C'est l'heure du combat. Actuellement, nous sommes en guerre. Chaque chose, en tout cas, a son temps. Pour le moment là. L'heure de la rigolade, l'heure de l'amusement, l'heure de tout ce qui n'a pas de sens, qui ne peut pas en tout cas porter quoi que ce soit dans ce combat-là. Il n'est pas l'heure de ça. Pour le moment, en tout cas, soyons tous engagés pour ce qui arrive, parce que ça va arriver, c'est très important. Partagez la vidéo, invitez vos amis Afrique de Liberté rapidement, allons au Burkina Faso, où une information capitale vient de tomber. Qu'est-ce que c'est? Écoutez ensemble cette vidéo et tout à l'heure, si on a encore le temps, on va apporter notre petit commentaire. On y va. N'oubliez pas de pomper le pouce bleu. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous nous prenez en marche sur cette plateforme panafricaine, n'oublie pas en tout cas de t'abonner. Mais n'oublie pas aussi en tout cas de cliquer sur la cloche rouge pour en tout cas ne rien rater. C'est très important. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. On y va. On écoute la vidéo. À tout à l'heure. L'alliance a commencé par la décision de se défendre ensemble, c'est-à-dire la défense de la souveraineté. J'ai écrit une série de deux tribunes, avant-hier et hier, quand je n'avais pas de voix, pour vous expliquer cela. Ils ont commencé par le principe de la souveraineté de l'Afrique. Ils ont dit, pour bâtir une vraie alliance, il faut que cette alliance ne soit pas basée sur l'argent, mais qu'elle soit basée sur des principes supérieurs. Le premier principe dont l'Afrique a besoin, l'Afrique qui a été privée depuis le 16e siècle, qui a été privée depuis le 16e siècle, de sa liberté de choisir ses dirigeants, de choisir sa monnaie, de choisir sa diplomatie, de choisir son mode de vie. Il faut d'abord que l'Afrique recouvre sa souveraineté. Ça, c'est le premier point de la pédagogie de l'Alliance. Alors que l'essentiel des organisations politiques que nous avons sur le continent africain ont été bâties sur d'abord l'économie, l'argent, le marché. L'AES est bâtie sur les principes spirituels et politiques. Et le principe de souveraineté, le droit de décider par nous-mêmes, c'est-à-dire la véritable indépendance. C'est donc une alliance authentiquement panafricaniste. Deuxième élément, la souveraineté étant posée comme principe, elle suppose que nous ayons un système de sécurité de notre territoire, donc la défense commune. Ils n'ont pas dit, mettons d'abord en place un marché commun. Quand le marché commun va bien marcher, à ce moment-là, on va créer peut-être un système de sécurité commun. Non, créons un système de sécurité commun pour nous assurer que nous sommes vraiment les maîtres de nos territoires, de notre territoire. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir pratiquer à l'intérieur de nos territoires la politique que nous voulons. Donc, un, la souveraineté. Deux, la sécurité.
Maintenant, ils sont en train de passer à la phase 3. C'est l'ingénierie institutionnelle. 1, la souveraineté. 2, la sécurité. 3, l'ingénierie institutionnelle. Bâtir des institutions qui permettent de résoudre nos problèmes sociaux, nos problèmes économiques, nos problèmes culturels, nos problèmes politiques, nos problèmes géopolitiques et géostratégiques. Voilà ce dans quoi les ministres travaillent actuellement. Et il y a la prochaine étape qui nous est indiquée, c'est la création de la Confédération des États du Sahel. Confédération. Et qu'est-ce que c'est qu'une confédération? C'est un rassemblement d'États dans lequel chaque État garde encore une très large autonomie par rapport aux autres. Ça se dit bien dans le mot confédération, qui vient du latin cum, qui veut dire avec. Le Mali avec le Burkina, avec le Niger, entre dans une confédération. C'est-à-dire, en fait, une souveraineté à plusieurs. L'étape confédérale prépare une étape beaucoup plus sérieuse, c'est la fédération. Quand il y a fédération, alors là, il y a unification politique, unification économique, unification militaire de l'espace. Triple unification. Politique, économique et militaire. Donc, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est que contrairement à la méthode qui a été choisie par l'Union africaine, la CDAO, la CEMAC, la CEAC, qui consiste soi-disant à animer un marché commun. Oui, plus tard, après le marché commun, on va construire des institutions communes. On voit très bien que on va plus vite lorsqu'on est d'accord sur le principe de souveraineté. On va plus vite lorsqu'on est d'accord sur les mécanismes de défense collective et qu'on met ces mécanismes en commun. Et qu'on peut, une fois qu'on a sécurisé la souveraineté, sécurisé la défense, on peut parfaitement inventer ses propres institutions. Pourquoi j'ai voulu parler de cela ce soir? C'est pour vous montrer comment, par cette pédagogie qui est l'inverse de la démarche des néocolonisés de l'Union africaine, de la CDAO, de la CEMAC, de la CEAC, l'inverse de la démarche de la quasi-totalité des organisations, des alliances politiques continentales, on voit très bien pourquoi ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce qu'il y a d'abord une entente sur le plan des idées, sur le plan idéologique. Il y a d'abord une convergence idéologique. Sur la base de la convergence des idées, il y a une convergence de la défense des intérêts souverains communs. Sur la base de la convergence de défense, il y a une convergence pour inventer des institutions adaptées à nos besoins. Et ceci nous conduit alors de la confédération à la fédération. La confédération, c'est une phase d'union encore imparfaite. Mais elle est nécessaire pour préparer la fédération. Confédération, fédération. Et bien sûr, c'est quand on va vers la phase fédérale qu'on est en capacité de mettre en place une chose comme une monnaie commune. Parce qu'on va avoir à ce moment-là une banque centrale fédérale. Même si on peut déjà créer une banque centrale confédérale, ou à la limite, pendant la période de la confédération, on peut d'abord créer une banque centrale d'investissement, ce qu'ils ont choisi de faire. Lorsqu'on arrive à la phase de la fédération, on est obligé d'avoir une banque centrale fédérale. Donc j'appelle les Africaines et les Africains à apprécier la méthodologie de travail de nos ministres, de nos présidents du Mali, du Burkina et du Niger. Et à ne pas confondre vitesse et précipitation en les poussant à rater les choses et à se retrouver dans des difficultés inextricables. Faisons preuve de responsabilité, de patience et de confiance. Puisque nous savons que ces trois dirigeants veulent vraiment servir leur peuple, nous devons leur faire confiance dans leur capacité à accomplir de manière rigoureuse et correcte chacune des étapes. J'apprécie énormément la discipline intellectuelle, la rigueur intellectuelle qui règne dans les travaux de l'AES. J'ai rarement vu, j'ai 51 ans, une organisation politique africaine accorder autant d'importance à la réflexion. J'ai rarement vu une alliance politique africaine accorder autant de place à la concertation, à la recherche du consensus. J'ai rarement vu, de mon vivant, en 51 ans de vie, j'ai rarement vu les Africains prendre le temps de s'entendre, comme le font les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens. J'ai rarement vu cela. Et je voudrais que nous saluions, que nous encouragions, que nous félicitions et que nous fassions preuve d'une patience compréhensive envers nos dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger. Car, je vous le dis, ils font un travail remarquable. Remarquable. Quand je lis l'évolution des discours, quand je lis l'évolution de la création institutionnelle, quand je lis l'évolution de l'architecture de défense, quand je lis l'évolution des pratiques juridiques dans la zone, photo, la CDAO n'a pas fait ça en 30 ans d'existence. L'Union africaine n'a pas fait ça en 60 ans d'existence. Ils n'ont pas fait ça. D'accord? Ils n'ont pas fait ça. Car en fait, les idées qui sont pratiquées par la plupart des organisations politiques africaines ont été pensées hors de l'Afrique, pour des intérêts non africains. Et les Africains les ont portées comme des prêts à porter, de la friperie politique. L'Union africaine, la CDAO, la CEMAC, la CEAC, la plupart de nos organisations politiques continentales sont largement, en fait, du recopiage aveugle des stratégies organisationnelles qu'on a observées avec l'Union européenne, par exemple. C'est des copies béates. Et comme la plupart des cadres politiques africains ont été formés dans les universités africaines à programmes occidentaux ou dans les universités occidentales, ils sont presque habitués à penser que quand on doit construire une fédération, on doit opérer comme l'Union européenne. Ou peut-être qu'on doit essayer d'opérer comme les Américains. On doit essayer d'opérer. On doit opérer au contraire comme les Africains. L'AES construit son propre chemin. Un homme, une femme authentiquement libre apprennent à construire leur propre chemin. Certes, l'exemple des autres n'est pas rien. Il a une valeur pédagogique. Mais il faut s'inventer soi-même à partir de ce qu'on sait, de ce qu'on est et de ce qu'on a. Certes, l'exemple des autres peut avoir une valeur pédagogique. Mais il faut absolument apprendre à s'inventer soi-même à partir de ce qu'on sait, à partir de ce qu'on est et à partir de ce qu'on a. Une troisième et dernière fois. Certes, l'exemple des autres peut avoir une valeur pédagogique. Mais il faut apprendre à s'inventer soi-même à partir de ce qu'on sait, à partir de ce qu'on est et à partir de ce qu'on a. Vive l'Alliance des États du Sahel. Vive les présidents Goïta, Traoré et Tchiani. Vive les peuples phares du Burkina, du Niger, du Mali,
qui marche en tête des peuples africains en éveil. Nous sommes heureux. Nous sommes comblés en cette année 2023 de voir s'accomplir les rêves de nos pères, de voir s'accomplir nos propres rêves sous nos yeux. Quand nous voyons nos ministres travailler comme ils travaillent, nous dormons du sommeil du juste. Quel bonheur! Quel bonheur! J'espère que vous ressentez le même bonheur que je ressens à voir l'alliance des États sahéliens au travail. C'est pas du jeu. Ce sont pas, c'est pas un espace de flagornerie où des vassaux viennent répéter des discours dictés, des éléments de langage qu'on leur a imposés. Non. Nous avons affaire ici à des dirigeants africains sérieux et qui savent que l'Afrique n'a aucune autre issue que de s'occuper sérieusement d'elle-même. C'est extrêmement important et c'est ce point-là que je voulais vraiment souligner. Emma, s'il te plaît, pas de bruit. Tu sais très bien que papa est en train de faire sa conférence. Très bien, on va passer au troisième et avant-dernier sujet. On va passer au troisième et avant-dernier sujet avec Diala Lilan. Nous allons parler de la grande bataille de Djibo. Djibo est une école pour l'Afrique. Djibo. Que s'est-il passé à Djibo? Au Burkina Faso. Une bataille décisive s'est déroulée il y a deux jours dans la ville de Djibo, au Burkina Faso. La principale base militaire, qui se trouve à environ 4 km du centre de la ville, a été attaquée par plus de 3000 terroristes armés jusqu'aux dents, et même détenteurs de véhicules de combat blindés. Véhicules de combat qu'ils avaient auparavant volés et arrachés à l'armée burkinabé. Les images de cette bataille sont d'une importance décisive. Et je voudrais commenter, avec mon regard d'analyse politique, le fils de l'Afrique, la bataille de Djibo. Qu'est-ce que cette bataille nous apprend de particulier? Premièrement que le Burkina Faso, sous le président Ibrahim Traoré, a remporté et remporte la bataille de la communication. La bataille de Djibo ne s'est pas simplement gagnée dans le feu du combat. Elle a été gagnée d'abord dans la suprématie de l'image produite par les Burkinabés sur le Burkina Faso. Donc, premier élément de cette bataille, c'est une bataille de la communication. Vous savez, pour toutes les batailles qui avaient été menées sous Damiba, sous Rochmar Christian Kabore, et même sous Compaoré, le Burkina Faso souffrait systématiquement d'un vice. Il ne possédait pas l'information, il ne possédait pas les images, il n'était pas le maître des images des batailles que son armée livre. Est-ce que vous savez la raison? Le Burkina Faso n'était pas le maître des images des batailles que son armée livre, parce que le Burkina Faso n'avait pas accès direct à l'information satellitaire. Le Burkina Faso ne contrôlait pas le plan aérien de son propre territoire. L'espace aérien burkinabé était contrôlé essentiellement par l'armée française, par les forces étrangères. Ce sont elles qui avaient la vue du ciel. Ce sont elles qui avaient la vue satellitaire. Ce sont elles qui avaient les images et toute la télédétection. Donc, l'armée burkinabé combattait au sol sans avoir la capacité de dominer ses ennemis par l'anticipation de l'information satellitaire et l'information aérienne. Or, qu'avons-nous vu à Djibo? Nous avons vu une armée burkinabé informée qu'elle allait être attaquée. Et informant l'opinion burkinabé qu'elle était informée. Je recommence. Nous avons vu une armée burkinabé non seulement informée qu'elle était attaquée, mais informant les burkinabés qu'elle était informée qu'elle était attaquée. Je reprends la métaphore de Magnan Rigobert Song, le coach du Cameroun. Quand tu es en danger, et que tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Mais c'est quand tu es en danger que tu ne sais pas que tu es en danger. C'est là que tu es en danger. Djibo, c'est la démonstration d'une armée burkinabé qui sait qu'elle est en danger et donc qui n'est plus en danger. Et deuxième observation, et ça, c'est l'observation de toutes les émissions de Bienvenue Ton Sa, Ton Sao, Ton Soi. Bienvenue Ton Soi, qu'est-ce que j'adore savoir? Quand il dit, le combat continue. Les terroristes n'ont qu'un choix, déposer les armes ou périr. Bienvenue Ton Soi. Oh, j'adore savoir ce monsieur-là. Il est fait pour le reportage de guerre. Bon, écoutez, beaucoup de gens ont dit, mais c'est pas normal, ils ont eu le temps de se regrouper. Moi qui ne suis pas militaire, je comprends que l'armée burkinabé a intérêt qu'ils se regroupent. Pour les combattre efficacement, l'armée burkinabé doit laisser les terroristes se regrouper. Parce que quand ils sont éparpillés dans la savane, il y a gaspillage de munitions lourdes. Il faut qu'ils se concentrent quand ils sont rassemblés là. Là, il y a économie de munitions. Écrivez ça. J'ai observé et j'ai vu des critiques sur les réseaux sociaux. Oh, c'est pas normal, on n'a qu'à réviser un peu notre renseignement. Ils ont eu le temps de se réunir. Non, s'ils sont que deux. Vous n'allez pas prendre un hélicoptère pour poursuivre deux types, deux. Et vous allez tirer un missile pour deux types. Ça coûte cher. Le Burkina Faso s'arme avec sa sueur, ses larmes et son sang. Et l'armée ne peut pas gaspiller les munitions. Et par ailleurs, ce n'est pas efficace. Si vous avez 3000 terroristes qui veulent attaquer un camp militaire, et qu'ils sont tous isolés par groupe de deux, et que les deux, ils sont séparés les uns les autres de 1 km, mais quel type de munitions vous allez utiliser pour finir de les tuer? Donc, regardez parfois les reportages de Bienvenue de Ton Soi. Ils montrent que l'armée burkinabé les frappe quand ils sont rassemblés. Et elle est patiente, tant qu'ils ne sont pas rassemblés, l'armée burkinabé les suit seulement. Les vecteurs aériens. Alors, là, je vais vous faire un reportage de mon frère Bienvenu Ton Soi que je salue et que je félicite. Hier soir, dans la région de Wahiguya, les malfrats terroristes qui ensanglantent notre pays ont conçu d'attaquer la localité, je prends au hasard, de Nono.
dans leur projet macabre. Ces individus s'étaient répartis en groupes de trois, montés sur des motos. Ils comptaient faire couler le sang de notre valeureux peuple. Informés en temps et en heure, les vecteurs aériens de notre vaillante armée se sont mis en mouvement. Patiemment, dans la nuit noire, les radars burkinabés éclairaient les scélérats. Nous, vaillants soldats de l'armée de l'air, attendaient que les renégats se soient suffisamment rassemblés afin de leur servir le repos éternel. Voici qu'à l'approche du village de Nono, les hyènes, les chacals, déguisés en êtres humains que sont ces terroristes, ensanglantés, approchaient tranquillement la terre de nos ancêtres pour y commettre encore de nouveaux forfaits. À cet instant précis, une frappe lourde les assomme. Partout sur le sol, les corps jonchent. Certains sont en flammes, d'autres s'enflamment et vont s'achever à la lisière de la savane. Les forces armées burkinabées et les volontaires de la patrie se chargent par la suite du ratissage de toute cette vermine inhumaine de notre terre bénie. Les opérations se poursuivent. Un seul message. Déposer les armes ou périr. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je vous ai fait du tonsoir là ou pas? Bienvenue. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Les opérations se poursuivent. Hein? Donc vous imaginez, si moi j'étais reporter à la RTB, que je pourrais vous servir des choses extraordinaires? Parce que mon frère Tonsoir, c'est un narrateur né. Et moi, la narration, là, j'adore narrer les faits. Faire vivre les faits. C'est ça. Donc, j'insiste pour dire que le fait que l'armée burkinabé n'attaque pas les groupuscules de terroristes est une tactique, est une stratégie qui a été choisie. Tant qu'ils sont en groupe isolé, l'armée burkinabé veille à les contenir, à les encercler dans une zone. Mais comme ils sont obligés pour opérer de se rassembler, c'est quand ils se rassemblent qu'ils sont frappés. Écrivez ça. Donc, ne venez pas critiquer facilement ici. Le président Ibrahim Traoré et ses compagnons, ils connaissent leur affaire. Wallahi, et oui, Diop. Wallahi, ils connaissent leur affaire. Ils les laissent toujours se rassembler. Comme il fait très chaud dans le Sahel, ils aiment aller sous les arbres. Ils dorment en même temps. Dès qu'il y en a 10, 20, 30 sous un arbre, ils dorment. Ils reçoivent la dose. Dès qu'il y en a une quinzaine, une vingtaine qui sont rassemblés, ils reçoivent la dose. Le Burkina n'est pas dans le gaspillage des munitions. On ne gaspille pas les munitions. Vous avez compris? Donc, ne venez plus critiquer notre armée burkinabé comme ça. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils savent ce qu'ils font. Et puis, le peuple burkinabé doit verser la sueur, les larmes, le sang pour acheter les armes. On ne va pas se mettre à tirer une grosse munition pour un individu isolé, qu'on peut cueillir facilement. D'accord? Donc, deuxième leçon de la bataille de Dibo, la stratégie et la tactique militaire burkinabé écrasent les groupes rassemblés. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'occuper des terroristes en gros. Et après, ils vont s'occuper d'eux en détail. Pour le moment, là, c'est la guerre en gros. La guerre de gros. L'armée burkinabé fait des frappes sur les troupes terroristes. Parce que c'est les troupes terroristes qui avaient été armées et outillées. Troisième niveau, la bataille. En fait, la bataille de Dibo prouve que dans l'art militaire, il ne faut pas penser que celui qui attaque a un avantage évident. J'ai lu quelques bouquins sur l'art militaire, il est démontré que, en fait, les assaillants sont le plus souvent ceux qui sont en mauvaise posture. Parce que les assaillants sont à découvert, alors que les défenseurs sont souvent à couvert. Les défenseurs sont dans un terrain connu, les assaillants viennent en terrain inconnu. Donc, la bataille de Dibo prouve que l'armée burkinabé n'est pas simplement bonne dans l'offensive. Elle a acquis une qualité, c'est qu'elle maîtrise sa défensive. Elle est même encore plus dangereuse quand elle se défend. Vous comprenez? Parce que l'armée burkinabé est en train d'écraser les terroristes par la contre-attaque, par la contre-offensive. Elle les laisse toujours venir. Parce que c'est la condition pour qu'ils se rassemblent. L'armée burkinabé ne fuit plus le contact. Quand l'armée burkinabé était désorganisée, dès qu'elle apprenait, les groupuscules de l'armée burkinabé apprenaient que les gars là arrivent, la première chose c'était de se sauver. Parce qu'il n'y avait pas les moyens de défendre la position. Il fallait se sauver. D'où les massacres faciles. Maintenant, l'armée burkinabé, quand elle apprend qu'elle va être attaquée, elle dit ça tombe bien. Venez. Venez, on va vous donner ce que vous voulez. Donc, il y a là une troisième leçon. La défensive est, dans la lutte antiterroriste, parfois meilleure que l'offensive. L'offensive doit être une contre-offensive, c'est-à-dire une remontada, ce qui permet d'éliminer le maximum d'ennemis. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est ce que j'ai appris en regardant les images de la bataille de Dibo. Maintenant, je passe à un quatrième niveau. Mais la bataille de Dibo a traumatisé les maîtres des terroristes. C'est l'effet diplomatique et géopolitique de la bataille. Puisqu'ils ne peuvent pas accuser l'armée burkinabé d'avoir commis des exactions contre les civils, à cause des images qui sont là, et qui montrent comment 3000 terroristes environ attaquent la base, et comment l'armée burkinabé les éprouve, les punit et les écrase. Les images sont là. Ils ne peuvent plus aller à la cour africaine des droits de l'homme, ils ne peuvent plus aller à la Cour internationale de justice, ils ne peuvent plus aller à l'ONU mentir sur l'armée burkinabé. Parce que s'il n'y avait pas ces images, s'il n'y avait pas cette maîtrise médiatique de la guerre dont fait preuve le régime du président Traoré, il leur serait facile de transformer les terroristes qui ont été tués en des simples civils. On parlerait même déjà de génocide, je ne sais de quelle ethnie. Mais là, tout le monde voit comment ils attaquent. Tout le monde voit comment on les bat. Tout le monde voit comment on les écrase et il n'y a pas de débat. Maintenant, il y a un petit problème. C'est que le moral de leurs maîtres est atteint. Le moral des maîtres des terroristes, c'est-à-dire ceux qui, depuis la destruction de la Libye, les ont armés pour qu'ils fragilisent le Sahel, le moral est atteint. Tous leurs médias prennent acte de cela et ils ont décidé de réorganiser les terroristes. Les terroristes sont en train de se réorganiser. Les pays qui les parrainent leur ont donné les chefs terroristes se réunissent dans plusieurs pays actuellement, notamment en Europe. Ils se réunissent pour réorganiser le dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée burkinabé pose un problème intellectuel extrêmement important. Non pas aux terroristes, parce que les terroristes, ils n'ont pas de niveau. Mais les maîtres des terroristes, c'est-à-dire les puissances néocolonialistes qui les ont armés,
Les puissances impérialistes désormais sont en pleine crise d'intelligence. Ils ne savent plus comment organiser la déstabilisation du Burkina. Et voilà la signification. Gibo, c'est un tournant. C'est le tournant épistémologique de la guerre antiterroriste au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'à Gibo, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons, des forces armées du Burkina Faso, des volontaires de la patrie, ont démontré qu'ils ont une plus grande intelligence du combat antiterroriste. Non pas simplement que les terroristes, mais ils comprennent mieux le combat antiterroriste que les impérialistes et les néocolonialistes qui arment les terroristes. Donc actuellement, il faut que vous sachiez que dans toutes les officines néocolonialistes et impérialistes, ils sont en train de cogiter à un niveau pas possible. Quel schéma mettre en place pour continuer à déstabiliser? Parce que Gibo est la preuve que l'armée burkinabé maîtrise le sujet. Que là maintenant, on n'a plus affaire à l'armée burkinabé telle qu'elle fonctionnait sous Kabore ou sous Damiba. On a affaire à une armée qui sait ce qu'elle fait. Une armée qui maîtrise le ciel. Une armée qui maîtrise la terre. Une armée qui utilise la défensive. Et qui utilise la contre-offensive. Et mieux encore, une armée qui maîtrise l'information. L'information. Rendons hommage au Mali d'avoir ouvert le chemin. Avec l'ORTM. Avec la communication des FAMA. On voit maintenant au Burkina Faso la RTB, télévision la plus aimée du peuple burkinabé. Et l'une des plus aimées d'Afrique aujourd'hui. Avec sa sœur l'ORTM. Comme on voit la RTN au Niger. Il faut maîtriser l'information. Il faut maîtriser la communication. Car c'est cela qui dit ce qui entre dans la tête des gens. Beaucoup de dirigeants africains de la vieille école avaient négligé cela. La lutte antiterroriste est une lutte de l'information. Elle est une lutte de la technologie. Elle est une lutte de l'intelligence de guerre. Elle est une lutte, eh bien, géopolitique. C'est une lutte pour le contrôle du monde. La maîtrise du monde. Écrivez ça. Voilà les leçons que j'ai tirées de Gibo. Gibo met fin à un certain pessimisme qui s'était répandu dans plusieurs couches de la population africaine à propos de la lutte antiterroriste. Gibo prouve que l'Afrique peut vaincre les terroristes. Que les terroristes ne sont pas plus aguerris que nos armées. Vous vous souvenez, il y a un voyou actuellement en tôle qui prétendait cela. Il a vu Gibo, non? Mais quel est l'équivalent de Gibo? Mais c'est Kidal au Mali. La leçon de Gibo, elle correspond à la leçon de Kidal. Et le Niger, lui aussi, va donner de telles leçons. Dans tous ces pays-là, vont se produire des batailles spectaculaires où les terroristes et leurs maîtres néocolonialistes et impérialistes seront vaincus d'une telle façon qu'il n'y aura plus de débat. Ils comprendront qui ne peuvent pas réussir cette tentative de recolonisation de l'Afrique. Alors, chers amis, Afrique de liberté, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricains, chers peuples d'Afrique, c'était l'intervention de votre serviteur, l'amiral Bafé. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette soirée de samedi 2 décembre 2023. Partagez massivement la vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis. J'aimerais dire merci à toutes les personnes, en tout cas à tous ceux ou à toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin donc, de ce direct. Merci, merci à vous depuis vos différents bords, merci à vous depuis vos différentes positions. On est ensemble, vive le combat, vive la révolution. Tôt ou tard, il fera jour en Afrique et ces jours-là, ce n'est pas loin. Nous sommes en train de gagner, en tout cas, la guerre. Ciao, ciao, bonsoir chez vous.